En avant, voilà. Salut les stations fréquences, les bonnes choses à côté à vous tous de la part de Dindy 33 pour le QSO national du canal 27. Voilà, comme à chaque fois, cette première demi-heure se fait en vidéo, puis après, on verra. Voilà, donc j'ai entendu Coco, les 2351 Coco, j'ai entendu aussi Fabrice derrière, les 2351 aussi. Fabrice était le premier arrivé, de retour. Ah, bon c'est pas grave. Retour du micro sur Coco, les 2351, toi Coco. Je t'attrape sur le 27274.5. Voilà, donc t'as l'air d'être un petit peu trop bas en fréquence. Enregistre un break. Attends deux secondes, enregistrer le break. Ok, d'accord. Ok, ouais, ben là, toi, là, ce vieux TX, là, il est pas mal décalé, là. Ouais, je t'attrape bien, Coco, sur le 27274.5. Il n'y a pas de problème. Il y a Fabrice qui est arrivé. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. J'ai pas eu le temps de clarifier. Retour, Fabrice, les 2351, toi. Ouais, c'est Coco 33, là, il est sur un autre poste, un vieux poste. Il voulait voir un petit peu ce que ça donne. À mon avis, il va vite changer. Ouais, j'ai entendu Eric. Retour de micro sur toi, Eric. Ok, 73 à tous, les amis, c'est Eric. J'espère que tout le monde va bien. Je salue Coco, je salue Fabrice, je salue Rémi, et puis... toutes les autres stations qui arrivent, les amis, à tous. Les 2373 à toi, Eric, en espérant que tout va bien de ton côté. Retour du micro sur Fabrice, en espérant ne pas l'avoir surmodulé. Ok Eric, tu as reçu? Si c'est Fabrice, il va falloir qu'il mette plus le confort comme d'habitude. Ok, je reprends. Ok, d'accord, mais il marche bien. Hein. Là, il est tout cuiro, là. Oui, il marche bien. T'as une modulation qui est quand même différente avec, et qui est peut-être un peu plus poussée. Ouais, t'as une modulation qui est un peu plus poussée que d'habitude. Il marche bien. Ah bah ça, on risque pas de te rater. Hein. Bon alors, ce soir, alors normalement, il y a Chameau qui devrait nous rejoindre, pas longtemps, car il est au pro. Il a un truc à nous dire en fréquence. Le dernier coup...
dans la, vers la fin du QSO, on a parlé un petit peu des stations qui étaient présentes dans les années 80, qui sont justement sur le QSO. Et puis après, j'aimerais bien qu'on parle aussi, Eric, tu nous as parlé le dernier coup, là, de justement, là, tout ce qui est radio-modélisme et tout ça. Voilà, que tu nous expliques un petit peu sur le matériel à avoir, l'outillage qu'il faut, est-ce qu'il y a des clubs à ce niveau-là, la réglementation, des trucs comme ça. Voilà, je pense que là, ça serait pas mal, quoi. Alors, Chameau, est-ce que tu es là? De toute façon, tu breakeras hein, dès que tu seras là. Au cas où, Chameau en avant pour voir si tu es là. Bon, ben c'est bien ça. Chameau, il n'est pas là. Ouais, alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as, ton Shogun, là, tu l'as modifié? Tu as fait quoi dessus? Ok, d'accord. Ben, c'est vrai que là, bon, moi, le 6009 qui est pas vieux, hein, je l'ai quand même laissé chauffer là avant, histoire là qu'il soit quand même assez stable là, pour attaquer directement le QSO. Parce que malgré tout, il arrive à bouger un petit peu quand même. Hein. Ah bah toi, tout ça c'est fait déjà, Hachi. Coco, est-ce que tu es de retour avec nous, avec une autre station ce coup-ci? Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, l'autre, ouais, il aurait besoin d'un petit coup de tournevis. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et autrement, il marchait bien, hein, l'autre. Hein. Seulement, bon, bah, y a un bon petit décalage en fréquence. Voilà, c'est tout. Quoi. Retour du micro du côté de Fabrice, puisqu'il t'a entendu là tout à l'heure avec l'autre poste. Ça arrive, ça. Attention à tous les points, des fois qui sont vraiment pas bien calés sur
Ok, justement, Coco, j'ai une question à te poser. Il y a un poste, là, je ne sais plus trop le nom. Est-ce que c'est... Attends, tu m'as parlé une fois, bon, du Superstar 120 FM, d'accord. Après, l'autre dessus, c'était quoi, le 180 FM ou le 360 FM? Ouais, bon, c'est pas grave, on verra ça à l'occasion. Ok, Jean-Paul, est-ce que tu es parmi nous, là, ce soir, dans le QSO? Ah, c'est le troisième soir, là, où il est pas là, peut-être tout à l'heure, je sais pas, on verra bien. Chameau, est-ce que tu es dans le coin? Est-ce que tu es arrivé à faire une apparition? Bon, d'accord, c'est pas grave, on embraye. Hachi. Ouais, alors le dernier coup. Toi, Coco 33, qui est plutôt habitué à l'AM, qui est plus souvent en AM. Toi, Eric, qui est plus souvent en BLU. Le dernier coup, vous êtes rendu compte que tous les deux, en fin de compte, vous étiez sur la CB à la même période et pas si loin que ça les uns des autres. Et pour ma part, ben, c'est pareil. Hein, je suis arrivé sur Bordeaux en 87, donc je suis sur Bordeaux au niveau de la CB depuis 87 également, quoi. Donc si ça se trouve, à l'époque, on s'est peut-être tous déjà copiés, quoi. C'est peut-être là où ça risque d'être intéressant. Pour ma part, le QRZ à l'époque, c'était Athlon 33. Je sais pas si l'un ou l'autre, ça dit quelque chose. Coucou, retourne le micro. Exactement, ouais. Mais autrefois, voilà, dans les années 80-90, bon, on était tous là sur le canal 27, hein. Voilà, et ce qui était assez marrant le dernier coup, c'est que je crois qu'Eric, donc, ou toi, je sais plus, l'un ou l'autre, le QR7 de l'époque justement disait un peu quelque chose. Retour du micro du côté d'Eric. Eric, t'es toujours là? Attends, excuse-moi, je reviens dans deux minutes. Ok, d'accord, ça marche. Fabrice, toi, ça fait depuis quand là, que tu es sur les ondes? Ah bah oui, donc tu étais sur quel QTH à peu près, toujours là dans les environs du 24 ou plus près de Bordeaux? Dans ce secteur-là,
Ok, bah oui, ouais, bien sûr, oui. Et puis c'est vrai qu'en étant assez loin les uns des autres, obligatoirement en USB ça passe mieux, ou alors le matin de bonne heure. Le matin de bonne heure, là, en AM, ça passe bien, ça passe carton. Quand je suis arrivé sur Bordeaux en 87, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais un Pacific 3. Voilà, j'avais un Tegra Pacific 3 que j'ai rapidement mis en fixe. Et après, on m'a prêté un DK, c'était un Nikom 730. Oh la vache, oui, putain ce vieux truc. Il avait été justement modifié pour accéder à la bande 27 mégas. En suivant, j'ai eu un président Grant. Ah, il marchait trop bien celui-là, au point qu'on me l'a volé dans le push, quoi. Hachi, pour atterrir sur un RCI. J'ai eu aussi, c'est un Eurocibi Clinton, je sais plus, quelque chose comme ça. Pour arriver après au Superstar Gris, puis le Superstar EL que j'ai actuellement là dans le push, hein, avec en station pour l'expédition le 6009 auquel je me sers ce soir, et plus le Yazoo là qui est à côté, quoi. Voilà. Mais bon, quand j'étais installé sur Bordeaux, ouais, c'était pas mal le Tegra Pacific 3 là, dont je me servais, quoi. Ouais, bah oui, affirmatif. Alors attends, que je regarde. Chameau, alors je me dépêche à faire ma ronde et j'arrive. Bon d'accord, voilà. Chameau, il est pas loin. Il va bientôt être parmi nous sur les ondes. Juste quelques instants, il fera un passage rapide. Ok, et toi, Coco, tu te rappelles, là, justement, là, toujours dans cette même période, à cette même époque, quel poste tu avais? Ok, bon, on va faire le retour directement sur le break, en avant le break. Oui, en avant le break. Oui, le break, c'est de retour. Ok, ouais, ok. Toi, Eric, alors, dans les années 80, tout ça, qu'est-ce que tu avais comme poste? Moi, pour ma part, quand je suis arrivé sur Bordeaux en 87, j'avais un Tegra Pacific 3. Fabrice, un Pacific 360, je me trompe pas, je sais plus. Oui, Coco, ben, la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu avais un peu dans cette période-là? Écoute, j'ai commencé moi avec un poste FM. J'ai fait une école à FM, c'était un poste que j'avais un ami qui travaillait moi chez Renault au Bouscal, là.
Et à l'époque, au Renault-Bouscard, vendait des postes civils pour les voitures. Et puis un jour, il m'a allé au ferreur, voilà, il faisait que la FM, alors j'ai commencé à avec ça. Et puis, une antenne que j'avais accrochée au bord de ma fenêtre. Et puis, une batterie à l'époque, j'avais pas l'alimentation, c'était une batterie, voilà. Ensuite, mon deuxième poste que j'ai eu un président, c'était un JFK, président JFK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, j'en ai quelques-uns. Après le JFK, j'ai eu le Tristar, oui, j'ai eu aussi le Tristar 747 et le Tristar 797. J'ai eu, voilà. Ça, ensuite, j'ai eu un président Georges. Je crois que c'était déjà pas mal, je crois, avec tout ce que j'ai fait, voilà. Et mais j'ai démarré, c'est vrai, j'étais dans HLM, et au tout début, c'était dans la chambre, avec une antenne qui dépassait sur le côté de la fenêtre. Et ensuite, j'ai continué avec une antenne de balcon. Quand j'avais, chez mes parents, j'avais le balcon qui donnait côté Bordeaux. Donc j'avais mis une antenne de balcon avec un radiant qui partait vers le bas, voilà, c'était... C'était avec ça que j'ai modulé, et puis j'ai eu le batterie, enfin j'avais pas la libre. Ah ouais, d'accord, ok. Eh bien, je suis en train de rechercher justement avant le Pacific 3, j'avais. Alors zut, je suis en train. Qu'est-ce où j'ai rangé ça, moi? Alors, j'avais un Tagra. Je sais plus ce que j'en ai fait, quoi. Tagra, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je suis en train de rechercher là sur mon forum. Voilà, Tagra. C'était, je sais plus, un Tagra Paris, je crois. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, c'était un 40 canaux AM, c'est pas l'Océanique, Tagra Paris, oui voilà, c'est bien ça, confirmé. En 83, quand la norme est passée là aux 40 canaux, voilà, je m'étais acheté un petit 40 canaux à MFM, c'est-à-dire le Tagra Paris, et quand j'ai commencé en 82, là par contre, ouais, on était encore sous les 22 canaux FM. Et je m'étais trouvé c'est lequel, Félix, que je regarde ça, que je me trompe pas de numéro, parce que il n'y a pas eu beaucoup hein, des Félix de sortie. Hein. Alors c'est le. Non, c'est pas le 200, hein, c'est pas celui-là. Alors c'est peut-être le AP369, je suis en train de vérifier ça en même temps là sur mon forum. Alors ouais voilà c'est celui-là, c'était un petit Philips 22 canaux FM AP369, bon pas très connu, c'est vrai que c'est une marque qui n'a pas fait grand chose. Hein. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, quand tu t'es absenté, quand je suis arrivé sur Bordeaux, ouais, c'était avec le Pacific 3 là que je suis arrivé, directement dans le mobile. Pas peur du tout. Pourtant, il y avait pas mal de contrôles à l'époque, mais bon, c'est bien passé comme ça, quoi. Hachi, retour américain. Ouais, affirmatif, mais le poste que j'avais acheté, donc on m'avait offert là, le copain de Chironon, c'était un Philips aussi, voilà. À l'époque, il y avait le canon, là, c'était un Philips que j'avais, voilà. C'est vrai que j'en ai oublié d'autres de vous citer aussi que j'ai eu un président Herbert, j'ai eu un Grant Herbert, et puis qu'est-ce que j'ai eu aussi là, j'en ai eu pas mal de petits vêtements de canon. Mais à l'époque, j'allais pas trop sur la BLU, moi, c'était beaucoup la de la M que je faisais. Et j'avais les supérieurs et les inférieurs et les sous-inférieurs et tout ça, qu'on faisait rajouter. Ouais, ben pareil, et je vois, ben, pour ma part, c'est pareil, hein, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait tellement de monde que, ben, pour le coup, on ne sentait pas forcément l'envie d'aller en BLU, ou alors, il y avait à côté de ça les vrais puristes qui, eux, restaient en BLU. Ça, par contre, c'est rien de nouveau, ça a toujours été, quoi. Mais autrement, c'est sûr que moi, c'est pareil, hein, j'étais en
quand je suis arrivé en 87, je suis arrivé sur Bacalan. Donc 88, je me suis monté en fixe, toujours sur Bacalan. Et ben le QRZ que j'avais à l'époque, c'était Athlon 33, quoi. Alors du temps où j'étais sur Orléans, là c'était Push 45. Après c'est devenu Athlon 33 pour être le QRZ pour avoir le QRZ que j'ai maintenant, et j'en bafouille. Coco, c'est quel QRZ tu avais toi à l'époque? Avec les stations. Ah, hop, petite pause. Enregistrez le break, les bonnes 113 51, toi, Chameau. Les stations, il y a Chameau qui a une annonce à nous faire. Vas-y, Chameau, tu as la fréquence pour toi tout seul. Ok, 73 à tout le monde, les meilleurs voeux à tout le monde. Je fais vite parce que je suis au pro là. Voilà, juste une petite parenthèse pour vous dire que je vais être papa. Donc, super content. Voilà, donc je compte. J'ai entendu Coco tout à l'heure, j'ai entendu Fabrice, j'ai pas entendu Eric, je sais pas s'il est là, Jean-Paul non plus, je sais pas s'il est là, j'ai entendu Dandy, Achi, et voilà, donc le 2073 à vous tous, et puis plein de bonnes choses pour l'année 2016, voilà. Ok, merci Chameau, c'est dans la boîte, de retour sur Eric, puisque tu l'as pas entendu. Cécile est là, retour Eric. Ouais, mais je l'entends murmurer, mais je l'entends pas, comme d'habitude, désolé. Ok, je fais tourner sur Coco, en avant Coco pour Chameau. Ok, retour sur Fabrice avant que Chameau reparte à son pro. C'est spécial, ouais. Ah zut. Désolé. Sinon, ça aurait été un plaisir que je t'aurais appelé. Ça c'est le problème avec le 6009. Dès que je veux clarifier quelqu'un, je me décale en même temps en fréquence, mais là je suis revenu. Là je suis revenu, je suis bien sur 27275.00 là maintenant. Là. Ah non, pour moi tu étais sur le 274.9. J'entends sur le 274.9, non pas sur le 275.0. Ouais, bon, c'est pas grave, on va pas pinailler avec. Avec les bouts de chandelle, un petit coup de clarifieur, et puis voilà, ça y est, c'est fait, quoi. ouais, Chameau, donc, Coco 33 ne t'entend pas, Eric ne t'entend pas non plus, quoi. Là où t'es placé, ben, ça merde homme. C'est bien dommage, mais de toute façon, ils auront l'occasion de pouvoir entendre ton message sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Ok, ok, en tout cas, merci à toi, c'est très sympa, lundi. Merci beaucoup. Voilà. Bon, mais écoutez, je suis désolé, je vais devoir vous quitter malheureusement. J'ai des choses qui m'attendent là. En pro, habituellement, j'aurais pu rester un tout petit peu plus longtemps. Sauf que ce soir, j'ai des priorités, voilà, au niveau du pro. Donc, je vous souhaite le bon 73-51. Moi, je vais QRT. Et puis, je vous souhaite la bonne continuation.
continuation pour le QSO. Ok, merci à toi, Chameau. Les 2351 à toi, et puis bon courage pour la suite, et nos félicitations là, de tous là pour cet événement qui arrivera. Qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive cet événement? Justement, on va lundi, là, on va faire l'échographie là, lundi. Là. Donc, on va voir où c'est que ça en est, et ça, je vous le dirai au prochain parce que c'est l'anniversaire de mon frère et on va faire la fête, voilà. Mais pour le prochain QSO, je vous tiendrai au courant des événements, voilà. Ok, oh là là, il va y avoir des QRM dans les neurones, je sens bien le coup. Hein. Mais Chameau. Oui, en avant pour Chameau. Ouais, c'est vrai que là, qui reprend, je sais pas si il m'entend là, Chameau. Mais j'ai encore une petite question à lui redemander, je lui ai dit ça la dernière fois. Je voulais savoir si c'était un garçon ou une fille, si t'avais fait la rose des vents. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, malheureusement, c'est pas assez tard pour le savoir. C'est pas assez tard. Je le saurai ça au bout du troisième ou quatrième mois, je crois. Voilà, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Là non, ça fait que deux mois à peu près qu'elle est enceinte, donc on peut pas le savoir encore, mais il me tarde de savoir, il me tarde. Voilà, Eric. Ouais, je fais le QSP, c'est trop tôt pour lui là pour qu'il le sache. Là, il faudra qu'il attende encore quelques mois là avant encore 2-3 mois avant de pouvoir le savoir. Parce que là ça fait déjà 2 mois de fait, donc il y a encore un peu de temps avant que ça commence à se voir. Ouais, là c'est bien, mais je sais pas s'il a entendu ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit que si c'était pour faire un garçon, il fallait faire l'amour la tête au nord. Et si c'est pour une fille, c'était la tête au sud. Moi, j'ai pas eu de vent, à chaque fois j'ai fait la rose de l'or. J'ai fait l'amour à l'ouest, moi. À l'est, à chi. Je m'attendais à une connue un peu plus salace. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit dans les siens, c'est l'amour à la tête au nord ou au sud. Ah oui, d'accord, ça va, j'ai compris si j'ai entendu. Ok, bah allez, je vous laisse, je cuire, 73 à vous tous, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème, Chameau, les 2351 à toi, et tu sais que moi, demain matin, il faut que je me lève quand même à 4h, ça va piquer, je crois. Et dimanche matin, c'est pareil, 4h aussi, et pourtant demain soir, je serai là. Ok, Chameau, allez, retourne vite bosser, là, il y en a qui t'attendent. Ok, reçu l'ami, dis-moi à 4h tu te lèves, alors du coup ça te fait du parti, quelle heure ça? Parce que pour ma part, moi j'ai des broches à 5h, donc sans doute on pourrait se faire peut-être un petit QSO sur le 19 AM, demain matin, qu'est-ce que t'en penses? Suivant à quelle heure tu pars, on peut faire ça. Eh bien, ça marche pour moi, puisque je décollerai, toi tu décolles à 5h, moi aussi je décolle à 5h. Alors, puisqu'on décolle tous les deux à 5h, il n'y a pas de problème, on se retrouve sur le 19 AM. Oh, les jours de la CB, c'est énorme ça, il faut que vous veniez tous là. Allez, je vous laisse, 73. Ok, et puis dimanche matin, ce sera... Ah oui, toi non, dimanche c'est différent. Ok, les bonnes 73, à plus, à demain matin, Chameau. Bisous, y'a Fabienne. 73 à vous tous. La voix des ondes te retourne au sein. Elle est sur le canapé en train de regarder la télé. Ok, bye Chameau. Retour sur Fabrice. Retour sur Eric. Voilà, donc j'ai pas assez longtemps.
reste les jeunes, Coco. Hachi. Ok, oui Eric. Ouais, je te disais de toute façon, je pense que maintenant c'est terminé parce que toi tu te lèves à 4h du matin, donc je comprends que tu as envie d'aller au 144, voilà aussi. Donc écoute, Rémi, je vais te laisser, les bonnes 73-51, et puis tu vas faire la vie de la famille. Les amitiés aussi à la famille de Pignac. Et puis je vous dis bien demain soir et puis bon courage pour le pro pour demain, voilà. Hein. Allez Rémi, je te retourne le micro et puis je pense que tu devras avoir un petit peu derrière te mettre au 144. Allez, à toi Rémi, les invités. Ouais, surtout que... Ouais, merci. Là, c'est, je m'attendais pas à ça. Là, j'allais partir sur un autre sujet de discussion. Et ben, on le fera demain soir. Alors, ouais, je voulais que tu ne... Vu que c'est aussi de la radio, que tu nous parles de radiomodernisme, un truc comme ça. C'est comme... comme j'en ai parlé, là, au début, là, du QSO. Mais ok, on reporte cette discussion pour demain soir. Ça marche. Surtout que là, je suis debout depuis 5 heures ce matin. J'étais sur un endroit dont tu as certainement entendu parler aujourd'hui à la télé, aux actualités. Hachi, j'en dirai pas plus. Et, bon, ça a été largement médiatisé, donc il n'y a pas de souci, c'est passé maintenant. Ok, eh ben d'accord, on coupe le QSO là. Les bonnes 13:51 à vous tous. 21h40, putain, là on fait très court ce soir. Waouh, là on bat les records de je sais pas comment dire. D'habitude on dit de longévité, mais là c'est l'inverse. Bon, peu importe. Ok, les 913-51, vous deux, Coco, va vite te remettre au chaud. Eric, eh ben merci, c'est super sympa. Je comptais pousser jusqu'à 22h. Mais bon, ok, pas de problème. Merci beaucoup à vous deux, et ben, à demain soir en QSO. Salut Coco, et puis salut Rémi, à bientôt, babouille. Oui, t'as remarqué, Hachi, il n'y a pas que des feignants sur Terre, non, je plaisante. Je dis ça parce que t'es à la retraite. Ok, bon, ben, d'accord, on t'appellera pas demain soir, c'est promis. Chameau, on ne l'appellera pas non plus demain soir. Après, bon, on verra on verra qui c'est qui sera là, et puis on fera avec, et puis c'est tout. Ok, merci, et bon week-end, bye.